quelques mois de la fin de son contrat avec le PSG, l'avenir de l'international français à Porte d'Auteuil est plus que jamais incertain. Si la tendance est de le voir signer au Real Madrid l'été prochain, Doha tente une exceptionnelle offensive pour faire pencher la balance de son côté. Mbappé en fin de contrat. Au début de l'été dernier, Kylian Mbappé avait fait part à ses dirigeants de sa décision de ne pas prolonger son bail au PSG qui s'achève en juin 2024. Suite à cette annonce, le PSG qui voulait contraindre son joueur à revenir sur sa décision l'a écarté du groupe tout au long de la préparation estivale. Ainsi, le joueur de 24 ans n'a disputé aucun match de préparation avec le club de la capitale à la mi-saison. Alors qu'il n'a pas même été retenu pour la première rencontre de la saison contre Lorient à Arles, Mbappé a été réintégré dans le groupe au lendemain de cette première contre-performance de la saison du club de la capitale. Aussitôt sa réintégration, le champion du monde s'est révélé décisif pour son club et est à l'instant le meilleur buteur de la saison du PSG avec 8 buts toutes compétitions confondues. Même s'il n'a pas encore retrouvé son réel niveau, le natif de Bondy apporte beaucoup à son club et ses dirigeants ne comptent pas le laisser filer facilement. Un contrat en or pour Mbappé. Alors que le président Nasser Khelaifi éprouve du mal à convaincre Mbappé quant à une éventuelle prolongation, Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir du Qatar et propriétaire du PSG, veut prendre les choses en main. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Tamim Ben Hamad Al Thani a érigé la prolongation de Kylian Mbappé au rang des priorités du club. Il serait prêt à offrir un contrat en or aux joueurs français pour le retenir.